Si moi je te connais MDR, alors attendez, parce que vos noms sur ouais, sur Twitch c'est compliqué. Chocapic. Qui es-tu, Chocapic? D'où est-ce qu'on se connaît? Mon chou. Mon chou, je sais pas, c'est peut-être une fille en finale. Ah, devine. Est-ce que. Alors, je pose des questions, hein, tu me réponds. Est-ce que ton nom là, sur Twitch, Chocapic, a une signification? T'as le droit à deux questions, c'est tout? Non mais sérieux? Deux? Ouais, accorde-moi-en, allez. 3 ou 4? Non, ouais, bah, ok. Première question. Est-ce que je te connais par rapport à ce nom, Chocapic? Ou un truc similaire, ou qui se rapproche, ou que c'est une boutade, ou un truc dans le genre. Tu vois? Un truc qui est autour de Chocapic, si tu vois ce que je veux dire. Non, t'es dans la merde. Il te reste une question. Mais quoi? Est-ce qu'on se connaît physiquement? Oui, grave. Tu dois être quelqu'un d'assez proche, quoi, pour dire oui, grave, genre oui, grave qu'on se connaît. Mais attends, mais deux questions, c'est pas juste. Le qui est, t'as pas juste deux questions, tu vois ce que je veux dire? Pourrais t'en poser plus. Choqué à pic. Mais le truc, c'est. J'aurais une autre question, c'est est-ce que. Vas-y, accorde-moi d'autres questions, s'il te plaît. Elle posait la question ultime. Alors, es-tu un garçon? Attends, oh là 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 là, attends. Peut-être proche, on l'a été. Oui, encore deux questions. Ok, merci. Alors, es-tu une fille ou un garçon déjà? Fille, donc on se connaît. Peut-être proche, on l'a été. Ok. Et tu es une fille. Oh putain, la vache, c'est compliqué. Donc du coup, on se connaît bien. On est assez proches, on est des amis au final. Tu t'appelles Chocapic, mon briquet. Tu t'appelles Chocapic. Morgane, mon briquet. Donc ton pseudo, Chocapic. Est-ce que moi, je t'ai déjà donné des surnoms? Oui, quelques-uns, oui. What? Attends, je t'en ai donné plusieurs. Est-ce que tu connais, est-ce que tu connais, est-ce que tu connais bien ma femme et ma fille? Tiens. Ouais, comme ça réduit le champ de possibilités. Ah ouais, j'ai oublié la règle des deux questions, hein, je te le dis direct. On va dire cinq questions. Ouais, accorde-moi. Genre, on se fait un ni oui ni non, au pire, hein, je te pose des questions, tu me dis oui, non, hein, ça va plus vite. Je savais pas que tu avais un enfant, félicitations. Donc, ça veut dire qu'on était quelqu'un d'assez proche, mais ça fait longtemps, on s'est perdu de vue du coup. Est-ce qu'on a à peu près le même âge? Est-ce qu'on a le même âge? Choqué à pic, frère, ça ne dit rien du tout. Est-ce qu'on s'est connu enfant? Non, pas d'enfant, donc t'as pas d'enfant. Non, pas enfant, pardon. On s'est pas connu enfant. Est-ce qu'on s'est connu dans le cadre des vacances? Ça fait combien de temps que tu es avec ta copine? Enfin, fin d'année, ça fait 4 ans. Alors tu trouves pas? Bah non, du coup, je t'ai posé une question. J'ai demandé est-ce que faut se rencontrer vacances ou des trucs comme ça. Dans notre vie de tous les jours, pardon? Est-ce qu'on s'est fréquenté à tout hasard? Oui, on était proches, je t'ai dit. Bah oui, donc ça veut dire qu'en gros, oui, on s'est fréquenté. Dans les Vosges ou en région parisienne? Dans les Vosges! Ok. Donc, est-ce que ma famille te connaît? Très peu, tu as très peu connu mes parents et mes sœurs, mais what? Est-ce que je te connais grâce à un de mes amis ou on s'est connus, genre, voilà, tous les deux. Tous les deux? Donc on s'est connus juste tous les deux? What? Mais ça devient dur là, c'est quoi ce délire? Ça risque de pas être le meilleur live de ta vie. Si, clairement, clairement. Est-ce qu'on en sort ensemble? Oui ou non? Voilà, comme ça au moins. On se connaît vraiment bien en fait. Ça a été bref. Genre, on est sortis ensemble vite fait et après on s'est plus parlé. On s'est plus revus car j'ai dû m'occuper seul de mon enfant. Ah, du coup tu as un enfant, d'accord. Je savais pas si je voulais te revoir. Ouais, non, là tu me fais une blague, frère. T'es un giga troll, faut arrêter là. On dirait que genre je suis le père de ton enfant. Non, non, bah alors là, non, bah non. Non, non, non. Pas possible. Pas possible. C'est pas possible. Non, 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 non. Non. J'avais quel âge quand on s'est vu? Alors c'est pas possible. C'est au moment pile où j'ai rencontré Vicky. Donc là, tu t'es cramé tout seul. Je suis désolé. Attends, attends, attends. Bref, quel âge j'avais quand on a procréé. On a créé la comédie musicale avec ma mère et genre allez, même pas 3 semaines après, boum, on est sortis ensemble avec Vicky et un mois après on a eu l'enfant. Donc clairement là tu t'es cramé mais direct. Il va avoir 6 ans, j'ai dit donc calcul. Non non non, je veux toi que tu me dises l'âge que j'avais parce que si tu me dis pas l'âge que j'avais, c'est potentiellement là actuellement tu sais pas l'âge que j'ai. Donc quel âge j'avais quand on l'a fait? Tu m'as dit que tu allais avoir 18 ans, d'où mon hésitation et l'erreur de ma jeunesse. 18 ans, c'est pas jeunesse non plus. J'ai assumé Kilian seul avec mes parents car j'étais trop jeune et ils ne voulaient pas te voir. Ça n'a pas été facile. Bah oui, ce qui est un peu logique quand même. Après oui, si j'ai pas été au courant que tu avais eu un enfant de moi, enfin, j'ai pas rien en fait. Si on est sortis vaguement ensemble. Et que j'ai pas été au courant, il a les yeux bleus. Malheureusement, j'ai pas les yeux bleus. Si tu as les yeux assez clairs, toi. Oui, certes, mais j'ai pas les yeux bleus.
Je me souviens plus, c'était... À quoi? C'était la nuit. De quoi? Alors attends, genre on s'est rencontrés une nuit, on a couché ensemble, t'es tombé enceinte instant, et le lendemain on s'est plus vu. C'est ça l'histoire en fait? Non, mais oh là là, mais que t'es con vraiment. Non mais t'es vraiment un bel enfoiré. Hein. T'es vraiment un enfoiré. T'es vraiment con. Je t'ai dit que c'était une connerie. Hein? Non? Tu reconnais pas c'est qui? Ok. Tu peux refaire l'ancienne blague s'il te plaît? Le lancer de cailloux là? Je savais. Voilà, vous avez entendu le petit co-instant, c'était le cousin de Vicky qui faisait une blague. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, bah voilà, c'était le petit drama machin. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez cru, parce que c'est un peu le but. Moi, clairement, j'y ai pas cru, hein, ça s'est un peu vu. J'ai essayé de rentrer dans le jeu, mais c'était trop dur d'y croire en fait. Voilà, c'était cool. C'était pas du tout prévu. Ma femme peut le confirmer, c'était pas prévu du tout. C'était cool. Donc voilà, YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo. Venez en live. Mon Twitch, il est juste en bas. Merci YouTube, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.